D'après l'UNESCO, le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens matériels ou immatériels ayant une importance artistique et ou historique certaine. Le patrimoine culturel du Niger a désormais une ambassadrice. Elle s'appelle Aminata Salifu Modi. Née en 1996 à Niamey, Aminata quitta son pays à l'âge de 15 ans pour rejoindre son père, attaché militaire en Allemagne. Étudiante à la Medien Academy de Berlin en production et réalisation audiovisuelle, la jeune Aminata se rend compte qu'elle ne connaissait pas grand-chose à la culture nigérienne. Elle décida alors de consacrer son temps à des travaux de recherche sur le patrimoine culturel nigérien. De la simple curiosité à la passion, l'artiste a mis en place une équipe de recherche dont elle coordonne les travaux depuis Berlin. Ses recherches se focalisent sur la région de Tillabéri à la découverte des sites archéologiques, des sites touristiques, de l'architecture, du mobilier, des traditions gastronomiques, des ethnies et des chefs coutumiers. L'objectif visé est de sauvegarder et montrer au public ses biens culturels lors du festival BEFA qu'elle organise chaque année sous forme d'expositions photos et de défilés de mode traditionnels. Pour pérenniser ses acquis, Aminata a fondé en janvier 2018 l'association Aldou, dont elle est la présidente, et une radio communautaire, Wafa FM, pour faire la promotion de ses activités. D'où lui vient l'amour de cet héritage légué par les générations qui nous ont précédés, sans doute de sa grand-mère, avec qui elle a passé la majeure partie de son enfance et dont elle porte le prénom. La première édition du festival BEFA a suscité une curiosité auprès des visiteurs. Aussi, l'événement a bénéficié de la participation massive des autorités administratives et coutumières. L'exemple d'Aminata Salifu Modi force l'admiration. Il démontre parfaitement que la diaspora nigérienne peut apporter sa modeste contribution au développement économique et culturel du Niger.